Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne ou bien bon retour à vous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, on avait vu il y a 2 semaines en arrière comment faire les mitaines. Je vous avais promis le tutoriel pour les jambières. Donc, les voici. Ici, on en a une. Et on va faire aujourd'hui la seconde ensemble. Voilà. Donc, pour ça, il va nous falloir prendre quelques mesures très simplement. Voilà. Ici, c'est une taille moyenne. Donc, toute taille moyenne, vous pouvez répéter la même chose, ça vous ira parfaitement. Sinon, il vous faudra prendre donc cette mesure ici, en dessous du genou. Il faut tout simplement créer une maille chaînette qui fait le tour ici, en dessous de votre genou, sans trop serrer, sans être trop lâche. Donc voilà. Pour la taille moyenne, c'était 35 mailles en l'air. Donc voilà. Si je vous inviterai à mettre pause, à prendre cette mesure, faire votre maille chaînette et puis on se retrouve donc de suite pour commencer les premiers rangs qui vont être donc tous identiques. À de suite. Voilà, ici j'ai fait ma maille chaînette de 35 mailles. On va maintenant commencer notre premier rang. D'abord, on va fermer cette chaînette. Donc, on va s'assurer que celle-ci reste bien plate. Et puis, on va venir piquer dans la toute première maille que l'on a faite juste ici. Et on va faire une maille coulée pour fermer et créer donc un cercle. Comme ceci. Donc, pour le premier rang, on va tout simplement faire une maille coulée dans chacune des mailles. Donc, je vous invite à mettre un petit marqueur si ça peut vous aider dans la toute première maille ici. Voilà. Donc, on va faire une maille coulée comme ceci dans chacune des mailles du rang. Donc, 35 pour ma part et pour toutes les tailles moyennes, 35. Donc, on va faire ça du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 10. Donc, je vous laisse faire vos 10 rangs en maille coulée comme ceci. Et on se retrouve pour le rang numéro 11. Avant que vous mettiez pause, je veux juste vous dire qu'il ne faut pas trop serrer les mailles, sinon votre chaînette va devenir plus serrée et après elle vous ira peut-être plus au mollet. Donc gardez une tension, voilà, comme ceci. Gardez une bonne tension, la même tension que celle que vous avez utilisée pour monter les mailles. Voilà, à de suite. Voilà, j'ai donc fini ici mes 10 rangs en mailles coulées. Donc, si vous avez fait les mitaines, vous allez vous rendre compte que le début est le même. On avait juste fait moins de rangs pour commencer les mitaines, mais c'est le même début. Voilà. Donc, on va commencer le rang numéro 11 en faisant une maille en l'air, comme ceci. Et on va venir faire une double maille serrée dans chacune des mailles du rang en piquant sous le brin arrière. Donc ici je vous montre, le brin avant du dernier rang est ici, le brin arrière c'est celui-ci. Voilà, donc on attrape ce brin arrière, on passe en dessous, on prend le fil, on le récupère, on sort, on a deux boucles sur le crochet, on fait un jeté, on coule une seule boucle, il nous reste deux boucles sur le crochet, on fait un jeté, on coule les deux boucles. Et donc ça s'appelle une double maille serrée et on va faire 35 doubles mailles serrées. Je recommence, on pique sous le brin arrière, je récupère le fil, je sors. Un jeté, je coule une boucle. Un jeté, je coule les deux boucles restantes. Je fais de même tout le long du rang. Et on va se retrouver donc à la fin du rang pour fermer ensemble. Je vous invite donc à poser la vidéo. À de suite. J'arrive à la fin du rang numéro 11. J'ai fini mon rang en double maille serrée. Ici, il devrait vous rester une petite maille ici comme ceci.
Donc ça, c'est la première maille en l'air que l'on avait fait. Et on va donc piquer dans la maille juste après, ici, et faire une maille coulée, comme ceci. Voilà, pour le rang numéro 12, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail, et ici, on va venir faire une maille coulée dans chacune des mailles du rang, et toujours en piquant sous le brin arrière. Donc, je vous montre, ici on a le brin avant, et ici le brin arrière. On va donc commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Encore une fois, je vous invite à mettre pause et puis on se retrouve pour fermer le rang numéro 12 et commencer le rang numéro 13. Voilà, j'ai fini ici mes 35 mailles coulées dans le brin arrière. Assurez-vous de recompter vos mailles et d'en avoir bien 35. On va maintenant piquer dans la toute première donc, que l'on avait fait ici et on va donc faire une maille coulée pour fermer, comme ceci. Maintenant, pour le rang numéro 13, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3... On tourne le travail et cette fois-ci on va venir donc travailler dans le brin avant. Donc ici je vous montre, on a le brin avant et ici on a le brin arrière juste ici comme vous pouvez voir. Donc ici on va venir travailler dans le brin avant et on va faire une bride piquée dans le brin avant. Et on va donc faire ça tout le rang. Donc ça peut être un peu difficile au début à retrouver votre brin avant. Mais une fois que vous avez bien distingué, tout va très facilement. Voilà, donc je vous laisse continuer votre rang. Et donc on se retrouve pour fermer le rang. Et en commencer un nouveau, qui sera le rang numéro 14. J'arrive ici à la fin du rang numéro 13. Donc j'ai fait ma dernière bride ici. Donc on devrait avoir 34 brides maintenant, plus les 3 premières mailles en l'air que l'on a faites, qui nous comptent comme première bride. Donc ça veut dire qu'on a 3 mailles en l'air plus 34 brides, ce qui nous fait 35 brides. Donc, on va maintenant venir fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on a fait en début de rang. Comme ceci. Voilà, on a maintenant vu le rang numéro 12 et 13. On va revoir ici le rang numéro 12 et 13 parce que ce sont les mêmes rangs que l'on va utiliser pour le rang numéro 14, 15, 16, 17. Donc pour le rang numéro 12, on a fait une maille en l'air, on tourne notre travail et on va venir faire une maille coulée en travaillant donc dans le brin arrière. Donc ici je pique sous le brin arrière et je commence par faire une maille coulée. Je fais ça dans chacune des mailles du rang, comme ceci. Donc ça c'est pour le rang numéro 14. Quand on a fini notre rang numéro 14, on va venir fermer ici dans la toute première maille, sous la toute première maille coulée que l'on a faite. Pour le rang numéro 15, on commencera en faisant 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait un rang de brides en s'assurant d'avoir 34 brides plus 3 mailles en l'air, donc 35. Pour le rang numéro 16, on répète le rang numéro 14 et pour le rang numéro 17 on répète le rang numéro 15. Donc je vous invite à faire ces 4 rangs tout seul. Je pense que vous pouvez le faire même si vous êtes débutant. Voilà, on vient de le faire ensemble. Donc on se retrouve dès qu'on a fini ces 4 rangs pour continuer la suite. J'arrive ici à la fin du rang numéro 17. J'ai toujours 35 brides autour de mon rang en comptant les 3 premières mailles en l'air ici.
Donc ici, on va fermer en faisant toujours une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on a fait en début de rang. Et on va commencer le rang numéro 18 en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Cette fois-ci, on ne tourne plus le travail et on travaille sous les deux brins. Et on va faire une bride dans chacune des mailles du rang. Donc sous les deux brins, comme ceci. Un brin, deux brins. Et on fait une bride. 1, 2, 3. On se retrouve à la fin du rang pour fermer et je vous indique comment on fait donc pour les rangs prochains. Me voilà ici à la fin du rang numéro 18. Encore une fois, pour fermer le rang, une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on a fait en début de rang, comme ceci. Maintenant, on va répéter le même rang jusqu'au rang numéro 25. Enfin, je dis jusqu'au rang numéro 25. Parce que pour moi, c'est la taille, donc j'ai des jambes assez moyennes, pas trop petites, pas trop courtes. Donc c'est à vous de mettre la guêtre sur, d'essayer votre guêtre et de voir donc la taille qui vous convient. Pour ma part, j'ai fait jusqu'au rang numéro 25, c'est là où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de gap entre la peau et la guêtre. Donc s'il y a un gap entre la peau et la draie et la guêtre, il vous faut enlever quelques rangs et donc commencer les rangs de diminution. Mais pour ça, donc, je vous laisse faire jusqu'à la taille désirée et on verra comment faire les diminutions une fois que l'on arrive donc en bas du mollet. Voilà. Donc pour commencer le rang numéro 19, encore une fois, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On ne tourne plus le travail et on fait une maille coulée, une bride dans chacune des mailles du rang. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'au rang numéro 25 pour ma part et pour vous, donc jusque là où la guêtre ne se décolle pas de la peau. À de suite. Me voici ici à la fin du rang numéro 25. J'ai donc fait une maille coulée pour fermer. On va commencer le rang numéro 26 qui va être un rang de diminution. Donc comme je vous ai dit auparavant, il vous suffit maintenant d'essayer la guêtre. Et puis si vous voyez qu'il y a un gap entre le mollet et puis la guêtre, vous enlevez quelques rangs afin de ne pas avoir de gap. Et s'il n'y a pas de gap, vous pouvez rajouter quelques rangs. Maintenant on va diminuer. Donc ça c'est quand vous voyez qu'il y a un gap, il faut commencer à diminuer. Pour diminuer, il vous suffit de compter donc le nombre de mailles autour de votre rang. Par exemple, moi j'ai 35 mailles, je vais enlever une maille pour faire un nombre pair, donc 34, que je divise par 2 est égal à 17, moins 2 égale 15. Donc ça veut dire que je vais faire une diminution qui va compter pour les deux mailles que j'ai soustraites. Donc pour ça, je fais 3 mailles en l'air pour commencer le rang. Une diminution en piquant donc dans les deux premières mailles, je vous montre de suite, je fais un jeté sur le crochet, je pique dans la première, je sors, un jeté, je coule deux boucles. Un jeté sur le crochet, je pique dans la seconde maille, je sors, un jeté, je coule deux boucles. Ici on a donc piqué dans les deux premières mailles, un jeté, je coule les trois boucles restantes. On a ici notre diminution. Il nous reste donc 15 mailles à faire, donc 15 brides, avant de faire la seconde diminution. Donc si vous avez 24, par exemple, mailles autour de votre rang, vous divisez par 2, c'est égal à 12. Vous enlevez 2, ça fait 10. Donc vous savez que vous ferez une diminution, 10 brides, une diminution, 10 brides. Donc je vais faire ici mes 15 brides. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais donc maintenant procéder à la seconde diminution. Un jeté, je pique dans la première maille. Je ressors, j'ai trois boucles sur le crochet. Un jeté, je coule deux boucles. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Je ressors. Un jeté, je coule deux boucles. Il me reste trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je coule les trois boucles restantes. Et maintenant, je repars pour 15 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je termine le rang ici. Donc j'ai les trois mailles en l'air qui nous comptent comme 16e ou bien première bride, comme vous voulez. Et ce qui me fait donc un compte toujours de 33 brides au lieu de 35. Donc vous devrez avoir diminué de 2 brides dans le rang. On fait une maille coulée pour fermer le rang. Comme ceci. Et on va commencer le rang numéro 27. Pour ça, on va faire exactement la même chose. 3 mailles en l'air. Une diminution dans les deux premières. Comme ceci. Cette fois-ci, non 15 brides, mais 14 parce qu'on a diminué de 2 brides dans le rang précédent. Ce qui nous fait un total de 14 brides entre chaque diminution. Donc si vous aviez 24 brides dans le rang précédent, vous avez maintenant 22 brides, pardon. Et donc vous refaites la même chose, le même calcul. Je procède donc à la seconde diminution du rang. Comme ceci. Et je repars pour 14 brides pour terminer le rang. Une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,
douze, treize, quatorze. Comme ceci. Et je ferme le rang numéro 27 avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on a fait en début de rang. Maintenant, les prochains rangs vont être exactement la même chose. Donc, 3 mailles en l'air. Une diminution, cette fois-ci, ce ne sera pas 14, mais 13 brides entre chaque diminution. Et donc, on continue ainsi jusqu'à qu'on arrive au-dessus de la cheville. Et que, bon, faut pas que ce soit très très serré. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Pour la taille moyenne, il faut continuer jusqu'au rang numéro... laissez-moi regarder. Jusqu'au rang numéro 29. Donc, on rajoute deux rangs de la même façon. Et puis après, donc on se retrouve pour le rang numéro 30. À de suite. J'ai fermé le rang numéro 29. N'oubliez pas surtout d'essayer votre guêtre si c'est trop serré au niveau de la cheville ou bien n'oubliez pas d'enlever un rang de diminution ou quoi. Et voilà. Donc, on va passer au rang numéro 30 et pour ça, on va donc tourner notre travail et on va venir faire une maille coulée dans le brin arrière. Donc ici, on va piquer dans la toute première et faire une maille coulée dans celle-ci, juste ici. Une, et puis dans la seconde, et puis dans chacune des mailles du rang, comme ceci. Une maille coulée. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et on va venir fermer dans la toute première maille que l'on a faite. Voilà. Maintenant, on va faire pour le rang numéro 30. On va faire 3 mailles en l'air. Pour le rang numéro 31, pardon. 3 mailles en l'air. On va faire une bride dans chaque maille du rang en piquant sous le brin arrière. Donc, je fais un jeté. Et je pique ici sous le brin arrière. Et je fais un rang de bride. Je vous laisse mettre pause. On se retrouve à la fin du rang. J'ai donc ici fermé le rang numéro 31. Pour le rang numéro 32, on va tourner et encore une fois, on va faire un rang de mailles coulées en piquant seulement sous le brin arrière et donc faire une maille coulée dans chacune des mailles du rang. Comme ceci. On se retrouve à la fin du rang pour continuer. On finit le rang numéro 32 avec une maille coulée dans la toute première maille du rang, ici. Et on commence le rang numéro 33 avec une maille en l'air, on tourne le travail et une double maille serrée dans chacune des mailles du rang en piquant sous le brin arrière. Donc ici on a le brin avant du rang précédent et ici on a le brin arrière. Et ici, derrière, on a un troisième brin. Il ne faut pas toucher le troisième brin. On va seulement dans le deuxième brin que l'on voit ici.
Voilà, et ici on fait une double maille serrée comme ceci. Donc j'insère le crochet, je ressors, un jeté, je coule une boucle, un jeté, je coule deux boucles. De même, j'insère le crochet, je sors, un jeté, je coule une boucle, un jeté, je coule deux boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc pour les rangs finaux qui sont identiques. À de suite. J'arrive ici à la fin du rang numéro 33 et je ferme donc avec une maille coulée sous la première maille en l'air que l'on a fait en début de rang, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais tourner mon travail et je vais faire une maille coulée, toujours piquée sous le brin arrière de chaque maille du rang. Donc on va faire ça tout le rang. Et puis on va répéter ce rang 7 fois de plus. Donc pour ma part, 7 fois de plus, parce qu'ici j'ai fait 7 rangs pour finir la guêtre. Maintenant, vous faites la taille que vous voulez. Voilà. Donc je vous invite à décider la taille que vous voulez faire. Et donc on se retrouve pour le rendu final. À de suite. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs. Il ne me reste plus qu'à faire une maille en l'air et puis à couper mon fil pour pouvoir les cacher. Donc pour les cacher, toujours la même méthode. On les cache à l'intérieur. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer ici parce que je vous ai déjà montré dans la vidéo des mitaines. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien pu suivre. C'était pas trop difficile. Si vous êtes débutant, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, ici on a les deux mitaines ensemble. Donc celle-là, elle est un petit peu plus élargie parce que je l'ai déjà portée. Et donc celle-ci va s'élargir un peu plus quand je vais la porter. Voilà, donc à très vite pour une nouvelle vidéo.